Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de me préparer rapidement, un peu comme d'hab, comme tout le temps maintenant. J'ai quand même un peu moins le temps de me préparer. Mes vanilles sont pas totalement sèches, mais c'est pas grave. Bienvenue dans un nouveau vlog. Alors c'est un vlog un peu centré sur le soin. Je vais commencer une première partie par vous montrer un peu ce que j'aime faire, ce que j'essaie de faire pour prendre soin de moi et ce qui me fait du bien en ce moment, en postpartum et quand j'ai un peu de temps, qu'on arrive à s'organiser pour que je puisse prendre un peu de temps pour moi à la maison. Et ensuite, on a fait un petit séjour staycation avec massage et franchement c'était tellement nécessaire, on se rendait pas compte à quel point on en avait besoin. Donc c'était une deuxième partie un peu soin finalement, on a pris du temps pour nous, on a pu se reposer aussi. Donc je vais vous montrer ça dans l'autre partie du vlog et à la fin du vlog aussi je vais répondre à vos questions que vous m'avez envoyé sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer d'autres questions si vous en avez quand je fais la petite bulle de sondage de questions. Mon micro s'est coupé, donc je vais continuer ici en voix off. De toute façon, j'avais prévu en fait d'utiliser la voix off de cette section pour cette première partie du vlog. L'idée, c'était de vous montrer un peu ma routine soin, mais c'est pas une routine quotidienne, c'est plutôt une routine hebdomadaire, une fois par semaine. Aussi, vous montrer de nouveaux produits que j'avais envie de tester. Donc j'ai beaucoup moins le temps maintenant et aussi beaucoup moins l'envie en fait de tester de nouveaux produits, parce que si ça fonctionne pas, comme mon temps est limité, je peux pas trop me permettre de tout tester, donc faut que je sois assez sélective. Et là j'avais envie de tester les produits qu'on m'avait envoyés de chez Lush, notamment les Snow Fairy. J'avais vu en magasin il y a quelques mois et je trouvais ça trop fun et je les ai reçus. À la gelée lavante est trop marrante à utiliser, ça glisse entre les mains mais ça permet de récupérer du produit. Et ensuite je vais utiliser ma brosse Foreo, qui est la brosse que j'utilise au quotidien par contre, qui est massante exfoliante, et ça marche plutôt bien les deux ensemble. Mais j'ai voulu aussi tester pour voir l'exfoliant Snow Fairy et il sent super bon aussi. J'aime trop l'odeur, c'est une odeur super sucrée. Un peu de barbe à papa. J'en profite aussi pour me raser. J'ai mon rasoir Estrid avec l'envoi des lames automatiques à la maison et c'est hyper pratique et super doux en fait sur la peau. J'aime toujours l'huile Golden Radiance de Freshly que j'ai rachetée et que j'utilise au quotidien sur le corps. Juste là, j'en ai pas mis là où je me suis rasée parce que faut éviter d'appliquer des produits juste après, mais sinon au quotidien, c'est ce que j'utilise. Et j'utilise aussi chez Freshly le shampoing anti-pelliculaire que j'utilise donc une fois par semaine au niveau du cuir chevelu. Je trouve qu'il nettoie vraiment bien le cuir chevelu. Je le fais un peu glisser sur le reste de mes cheveux pour nettoyer, mais c'est principalement au niveau du cuir chevelu. Et j'utilise ma brosse massante pour le cuir chevelu également, pour bien le répartir, faire un massage du cuir chevelu et ensuite je rince tout ça. Quand je peux, je prends le temps de faire un masque. Voilà, je fais pas à chaque fois mon masque, mais en ce moment j'ai le masque de chez 3 fois Roll qui est bien et que j'aime bien utiliser. J'ai pas fait de masque cette fois-ci, mais c'est un masque que j'aime bien. Et ensuite, je vais passer à mes vanilles, comme d'habitude, comme chaque semaine, depuis, j'ai envie de dire, 12 ans, quelque chose comme ça fait tellement longtemps que je fais des vanilles que c'est vraiment devenu ma routine. Et j'utilise en ce moment le Shea Moisture, le Leave-In Conditioner de la gamme Jamaican Black Castor Oil, que j'ai terminé mon produit 3 for All. Et ça, c'est vraiment un produit que j'avais en stock et une valeur sûre pour moi. Donc voilà, j'utilise en ce moment. À chaque fois, c'est tellement un bonheur d'avoir juste après les cheveux propres, le cuir chevelu propre, c'est trop agréable. Et là, vous pouvez voir d'ailleurs les produits que j'ai terminés récemment. Donc, le shampoing, je l'ai racheté. Le leave-in conditioner aussi. Et le 3 for All, la crème qui est aussi top, qu'il faudrait que je rachète. Pour le visage, j'ai acheté ces patchs rafraîchissants de chez NYX. Et c'était un peu une déception. Donc, il faut les mettre au frigo et ensuite on peut les placer sous les yeux pour décongestionner. Mais ça ne tient pas. En tout cas, c'est super frais quand on les laisse au frigo avant. Donc c'est super agréable, mais on peut pas les laisser très longtemps sur les yeux. Au final, ils tiennent pas. C'est trop dommage. C'est un petit exfoliant pour les lèvres de chez Lush. Je présente comme ça. C'est une odeur de pain d'épices. Un peu salé, mais c'est à base de sucre. Ok. C'est assez agréable à utiliser et ça fonctionne plutôt bien. Si vous avez d'ailleurs des recommandations d'exfoliant pour les lèvres, je veux bien. Ça laisse derrière comme un effet de baume à lèvres. Donc, c'est plutôt sympa. Maintenant, je vais faire un masque avec le Foreo
UFO que j'aime beaucoup utiliser pour mes masques. Il permet de faire des masques chauffants ou rafraîchissants. Là aujourd'hui, je vais faire le Make My Day. Et je mets ça par-dessus pour le bloquer. Il faut se connecter à l'application ForEU et on a toutes les instructions. Il y a aussi la lumière LED et la vibration. Donc on fait vraiment un masque hyper complet en fait quand on utilise ça. Et j'aime beaucoup et ça permet vraiment de varier. Là, c'était un masque hydratant et anti-pollution que j'ai fait. Personnellement, j'aime bien le faire deux fois de suite, le masque. Et je vais finir avec l'appareil Bare de Foreo, qui est un effet anti-ride. En fait, c'est de la micro-stimulation des muscles du visage avec le sérum. C'est pareil, il faut aussi se connecter à l'application Foreo pour l'utiliser avec les instructions. Et moi, je le mets toujours au minimum pour l'instant. Je ne sais pas si j'augmenterai par la suite, je crois que je suis très sensible. Et j'essaie d'être régulière, je ne sais pas encore vraiment s'il y a un effet en fait visible, mais j'aime bien l'utiliser, c'est plutôt agréable. Et je termine ma routine soin par appliquer ma crème. J'aime beaucoup la crème ultra réparatrice de First Aid Beauty qui fonctionne bien sur ma peau. J'ai pas encore développé d'allergie, ce qui arrive quand même régulièrement, même avec des super produits, je sais pas pourquoi. Mais au niveau du visage, j'ai tendance à développer rapidement des allergies. Et là, c'est vraiment un produit que j'utilise depuis presque des années, en fait, au moins un an, ça c'est sûr. Voilà pour la partie routine soin que je voulais vous montrer. N'hésitez pas si vous avez des suggestions de produits à découvrir. Comme je vous disais, j'essaie d'être sélective en fait en termes de tests. Donc si vous avez des super recommandations, pardon, n'hésitez pas à me les poster en commentaire, à me les suggérer aussi sur Instagram. Et là, vous pouvez voir le lendemain, j'ai défait mes vanilles. J'aime beaucoup le résultat. J'ai pas mal de volume aussi avec ce produit. Et mes cheveux sont super doux. J'aime beaucoup l'odeur. Voilà, c'est tout ce que j'aime avec un seul produit. Et ensuite, donc on passe à la partie staycation. Donc ce jour-là, on est parti à l'hôtel Two Hotel de Paris 13e. Et franchement, c'était juste trop bien. Alors, c'est un hôtel qu'on connaît parce qu'on est déjà allé pour tester le restaurant, pour tester le Sky Bar. C'est un très très grand hôtel en termes de hauteur. Et j'ai été cette fois-ci tester le massage. J'avais trop envie de faire un massage, de recevoir un massage. J'ai choisi le massage jet lag drainant, donc pour vraiment activer, on va dire, un peu plus le système lymphatique. Et franchement, c'était super agréable. Alors j'ai trouvé qu'elle avait fait un peu plus un focus, pardon, au niveau du dos. Mais je pense que c'est parce que j'étais plus tendue au niveau du dos. Après, vous pouvez vraiment demander le massage que vous souhaitez, le personnaliser, donc n'hésitez pas. Ensuite, j'ai pu avoir un petit moment de relaxation avec mon petit thé et j'avoue, c'était agréable. Il y a même une salle de sport, il y a aussi un jacuzzi. Donc, vous pouvez aussi en profiter si vous le souhaitez, si vous restez à l'hôtel. Et je ne sais pas si on y a accès sans séjour à l'hôtel. Donc, si vous voulez par exemple faire que un massage, je ne sais pas trop. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Nous, on voulait faire une nuit. Hein, donc, c'était l'occasion de tester aussi le massage. Et on aurait bien aimé tester le jacuzzi, mais bon, il y avait la petite, donc il fallait qu'on la surveille. On s'est alterné pour le massage, c'était déjà très bien. Mais je trouve que faire le jacuzzi, c'est quand même plus sympa à deux. Et la vue est juste géniale. Donc là, nous, on était au 18e étage et la salle de fitness et le massage étaient au 17e. Donc en fait, on était juste au-dessus. La vue est vraiment canon. Alors, on n'a pas la meilleure vue, hein. Là, faut être honnête, comme on est déjà venu, on sait quelle est la meilleure vue. La meilleure vue, c'est côté Tour Eiffel. Voilà, c'est un peu plus à gauche en fait. Mais c'est pas grave, franchement, c'était déjà super joli et on a pu profiter aussi du coucher de soleil. En plus, dans notre chambre, on avait à la fois une grande baignoire et une douche. Et je pense que franchement, cette chambre, on a quand même testé pas mal d'hôtels en voyage et tout. Cette chambre, c'est la plus grande chambre qu'on ait eue. Elle nous a paru énorme. Donc c'était cool, franchement c'était hyper cool et surtout trop bien d'avoir la baignoire aussi dans la chambre pour pouvoir se détendre et juste franchement profiter d'un instant un peu de déconnexion par rapport au quotidien. Thank you.
J'en ai profité aussi pour filmer du contenu, parce que j'avais un joli cadre, et c'est vrai que c'est tellement inspirant aussi d'avoir un cadre un peu différent, un cadre bah, super esthétique, très joli. Et donc là, j'en ai profité pour filmer des petites vidéos, des petits shorts, reels, des vidéos courtes. Donc vous allez bientôt voir. Je sais pas si j'ai déjà commencé à poster, mais n'hésitez pas à regarder sur mon compte Instagram, et puis je pense que je vous en repartagerai aussi également ici en shorts. Et puis c'était aussi l'occasion voilà, de filmer ce vlog, donc c'est toujours agréable d'avoir des petits souvenirs de ce qu'on fait et pouvoir revoir un peu tout ça. Donc là c'était cool, j'ai pu prendre aussi le temps de faire ma routine. Comme David était là, on a pu vraiment s'alterner en fait, qui garde surveille la petite. Et voilà, mais c'était vraiment cool aussi de faire ce séjour avec elle. On ne savait pas trop comment ça allait se passer, comment elle allait réagir, mais franchement elle a été juste parfaite et je suis super calme en fait, et elle avait même elle aussi l'air d'apprécier le fait de changer de cadre, de profiter. Elle était hyper hyper agréable et elle a beaucoup dormi, elle avait l'air trop contente, elle souriait aussi. Donc c'était cool aussi de la voir dans un autre cadre et on est content que ça se soit bien passé à la fois pour elle et pour nous et d'avoir pu profiter en fait de cet instant-là à trois. Donc on a aussi passé un bon moment tous les trois et on n'aurait pas forcément préféré faire ce séjour à deux en fait, c'est ça qui est assez drôle, mais le fait de le faire à trois c'était encore mieux et encore plus sympa et une nouvelle expérience par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Et voilà pour ce staycation, bah, c'était vraiment une belle parenthèse et on est vraiment super content d'avoir fait ce petit séjour qui nous a bien détendu, bien relaxé. On hésitait mais franchement on n'y avait pas hésité. On est maintenant de retour à la maison et un petit vlog un peu plus en mode habituel. Bon, quand même bien ces petites bouclettes, c'est trop mignon. Les bébés perdent leurs cheveux à l'arrière ici parce que ils frottent souvent. Mais elle en a encore pas mal, hein, donc ça va. La petite est en train de dormir et pas sur moi pour une fois, donc je peux me préparer tranquillement, mais rapidement quand même, parce que elle peut se réveiller un peu à tout moment. Sans faire exprès, j'ai fait ma varée un peu en biais, et en fait, c'est plutôt sympa. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce type de raie. D'habitude, je fais une raie plutôt droite. Ça change légèrement le rendu, je trouve. Mes cheveux ont bien poussé. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me faire des commentaires là-dessus sur Instagram, parce que je vous ai montré un petit peu quand j'ai fait mes soins. On m'a demandé de faire un lens check. Je vais juste vous montrer rapidement. Bon, je suis un peu noir, c'est pas très logique. Il m'arrive à peu près là, donc au-dessus du nombril. Mon nombril est là, donc voilà. À l'arrière. À l'avant, il m'arrive presque au niveau de la poitrine. Enfin, si, au niveau de la poitrine. Et effectivement, je trouve que ça a poussé un petit peu plus pendant la grossesse. Et j'ai pris en volume. Bon, après, je suis censée en perdre apparemment. Mais pour être honnête, ça me dérange pas parce que je trouve que j'en ai vraiment beaucoup. De base, j'en ai beaucoup, mais je trouve que j'en ai encore plus que d'habitude en ce moment. C'est pas grave si j'en perds un peu. J'espère que vous avez apprécié la première partie du vlog. Ce week-end, on a fait un petit staycation avec David et la petite. Alors déjà c'est la première fois qu'on fait un staycation, donc c'est-à-dire qu'on va à l'hôtel à Paris, donc dans notre propre ville. Si on a l'occasion de bouger, ben on bouge, on part en voyage et de préférence on peut partir à l'étranger, ben c'est encore mieux, c'est un peu plus dépaysant. Mais c'est vrai que là avec la petite, bah ben, c'est quand même un peu stressant. Même là,
pour une nuit d'hôtel, on était quand même stressés du trajet, d'avoir tout avec nous. On a quand même peur aussi de comment elle va réagir, est-ce qu'elle va être énervée, est-ce qu'elle va pas aimer, ou à l'inverse, est-ce que ça peut très bien se passer? Et en plus, ça s'est très bien passé, donc. En plus, c'était un premier test pour voir si on arrive à gérer un déplacement avec elle et comment elle vit en fait le déplacement. Et aussi, on voulait avoir des massages, donc on a booké des massages pour le samedi, un massage chacun, et franchement, c'était trop trop agréable, ça faisait trop bien. Après ces 2 mois intenses avec le bébé, après la grossesse, je crois que j'ai même pas booké de massage en fait pendant la grossesse. Je sais qu'il y a plein d'endroits où ils proposent des massages spéciales grossesse, mais c'est vrai que j'ai pas pensé, j'avais pas vraiment envie. Mais je pense que ça va être très sympa. Mais là par contre, j'avais très envie en postpartum. Alors c'était pas un massage spécial en postpartum. Je sais qu'il y a des endroits aussi où ils proposent ça. Mais ça m'a fait tellement bien au niveau du cou et du haut du dos. En fait, j'étais surtout là, stressée. David aussi a kiffé son massage. Mais en tout cas, on a vraiment aimé tous les deux. Et puis, les masseurs étaient super sympas. Le service aussi du tout hôtel était très sympa. C'est un hôtel qu'on connaît parce qu'on est souvent allé pour tester le restaurant, le Skybar. Et on avait envie de tester aussi la chambre. Et on a dû prendre du coup une chambre familiale pour pouvoir être à trois. Et on a pu demander un lit bébé, donc un petit berceau qu'on a pu mettre vraiment collé au lit, donc c'était parfait parce que elle a l'habitude d'être collée à nous, donc là c'était comme si on était en fait en cododo, hein, elle était collée à nous, et il était super grand son berceau par rapport à celui qu'elle a ici, et franchement elle a eu l'air d'aimer, elle a dormi dans son berceau, bon au début elle nous cherchait un petit peu, mais elle nous voyait mais de plus loin que d'habitude, on lui tenait la main, voilà, donc elle s'est vraiment habituée, donc c'était trop bien. Elle était super calme, elle a dormi beaucoup là-bas aussi. Elle souriait souvent, elle avait l'air trop contente de changer de cadre. On a remarqué que c'était un bébé vraiment curieux, même en général, dès qu'on sort, elle regarde partout ça l'apaise en fait. Elle est beaucoup plus calme quand il se passe quelque chose. Juste, c'est parfait en fait pour sortir et faire des trucs avec elle, pour voir un bébé comme ça. Donc, très content que ça se soit bien passé, trop content d'avoir pu vraiment kiffer un massage. Il faut que je lave mes pinceaux que j'en ai. Et ouais, non, franchement, on a vraiment apprécié ce petit staycation. Je vous recommande. Il nous reste plus qu'à tester le brunch tout hôtel, sinon on aura tout testé. On aurait pu en fait tester le petit déjeuner, parce qu'on avait pris le petit déjeuner inclus dans la chambre. Et ils nous ont conseillé à l'accueil d'aller directement chercher le petit déjeuner, voire de s'installer pour le petit déjeuner. Comme on n'était pas sûr qu'on pourrait ramener le petit déjeuner dans la chambre, on n'a pas tenté, on a demandé servir dans la chambre, mais en fait, on ne peut pas prendre grand-chose. On a pris un croissant, un chocolat, un jus d'orange, un café, c'est tout. Alors que c'est un buffet, en fait, en brunch, petit déjeuner. Donc, vous pouvez vraiment prendre ce que vous voulez. Il y a pas mal de choix de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, notamment. Donc, ouais, un peu déçu par le petit-déj, mais c'était notre choix, hein. En vrai. Ah, moi, j'ai complètement oublié d'utiliser mon produit tarte. En plus, je l'aime beaucoup. Hein. C'est juste que j'avais mon bronzer irisé devant moi, donc j'ai pris ça, mais j'ai utilisé ça ce week-end et je l'utilise depuis que je l'ai testé avec vous dans l'autre vidéo. Et ça donne envie d'en refaire des staycations à Paris. Dites-moi si vous en avez déjà fait dans votre propre ville, si vous habitez à Paris ou pas d'ailleurs. Si vous faites souvent des staycations, ce que vous en pensez, comment vous organisez, tout ça. Si vous avez des petits tips pour trouver les meilleurs staycations, je veux bien. Je pense qu'on va regarder pour en faire d'autres parce que c'est pas super pratique. Pour le trajet, en plus, comme on a la poussette Duna qui fait poussette et siège auto, on a pu à l'aller prendre un Uber. À la base, on voulait prendre le bus pour y aller, mais on était trop juste niveau timing. Pour l'instant, on n'est pas au top pour partir à l'heure encore. On part beaucoup trop juste, on ne part pas à l'heure qu'on s'est fixé. On n'arrive jamais vraiment en retard, on arrive beaucoup trop juste. D'habitude, nous, on est plutôt du genre à arriver en avance, vraiment à l'heure en fait. Et là, on arrive vraiment trop juste, voire parfois, on est peut-être en un retard de 5 minutes, ça va, hein, c'est rien. Mais j'aime pas être en retard, David non plus. Ouais, du coup, on a pu tester avec la poussette. On a pris le Uber à l'aller. C'était la première fois qu'on l'utilisait en siège auto. Et franchement, trop pratique. On l'a installé assez rapidement.
Le chauffeur Uber aussi était sympa, hein. Il a accepté. Je suis pas sûre qu'ils acceptent tous. Mais il était gentil. Il a dit qu'il avait l'habitude, en tout cas, que les gens viennent avec leur siège auto, les installer et tout. Donc, trop bien. Ça, on était vraiment contents. On n'était pas sûrs et tout. Au pire, on s'est dit, bon, bah. En fait, on était vraiment juste pour le massage. J'étais pile à l'heure, voire en retard de 1 ou 2 minutes, donc ça allait. Mais à la base, on voulait vraiment arriver en avance pour que je fasse le check-in avec David. En fait, là, j'ai pas pu le faire. Je suis montée direct pour aller au massage et lui, il a fait le check-in. Donc, on a dû se splitter dès le départ. Et après, on s'est interverti. Moi, je suis rentrée du massage et lui, il est parti 1 heure après pour qu'on puisse rester avec la petite à chaque fois. Et ça, c'est bon, on n'a pas pu faire le massage duo en même temps, du coup, mais c'est pas grave. Je me disperse dans la discussion. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on utilisait la poussette Doona en nos sièges auto à l'aller en Uber, donc très pratique. Et au retour, on l'a utilisé en poussette dans le bus pour rentrer à la maison. Donc très bien aussi. Et pour que je vous recommande cette poussette, je voulais vous montrer dans, je pense, les vlogs préparation de l'arrivée du bébé. Et je pense dans le premier vlog de l'accouchement, post-accouchement, postpartum. Super pratique. Ils nous ont aussi envoyé le Liki, je crois qu'il s'appelle. C'est le tricycle qui fait aussi un peu poussette. Vous pouvez aussi pousser le bébé, il n'est pas obligé de. Enfin, l'enfant. Non, c'est quand même un bébé à 10 mois. Hein. Mais il n'est pas obligé de pédaler vraiment. Vous pouvez aussi pousser, donc ça fait aussi poussette. Et c'est trop sympa, ils nous l'ont envoyé. La poussette, on l'a achetée, nous. Hein. Mais le Liki, le tricycle, ils nous l'ont envoyé, donc super sympa. Et ça a l'air trop bien, on a genre juste trop hâte qu'elle puisse l'utiliser, qu'elle puisse pédaler, je pense qu'elle va trop kiffer. C'est hyper compact, donc facile à ranger quand on n'a pas beaucoup de place dans son appart, et facile à emmener aussi en voyage, si vous avez envie de l'emmener en voyage, vous pouvez. Aujourd'hui j'étais un peu sur mon ordinateur, je fais un peu d'administratif, quand j'ai pu, quand elle dormait. Elle a beaucoup dormi ce matin, mais elle s'est réveillée un peu. Ce midi, elle avait du mal à se rendormir, donc on a joué ensemble. Elle était sur son tapis d'éveil. Elle a fait un peu de tummy time, un peu de roulé-boulé. Elle apprend à tourner sur elle-même, faire des roulé-boulé. Elle n'y arrive pas encore. Mais ça viendra, ça viendra. Et elle essaye aussi d'attraper ses petites peluches. Elle a du mal, mais franchement, c'est déjà pas mal, hein. Elle y arrive quand même un petit peu, sachant qu'elle a même pas encore 3 mois. Et que je crois que c'est à partir de 4 mois. Donc en fait, elle regarde ses mains et elle essaie d'ouvrir ses mains pour les refermer. Elle a du mal, mais franchement, c'est bien déjà. Elle est trop forte, cette petite. Et on sent qu'elle a envie de nous dire plein de choses. C'est trop mignon. Ah, j'ai pas fait mes sourcils. Je suis vraiment tout dans le désordre aujourd'hui. De maquillage. J'aime bien aussi à l'occasion vous montrer les produits que j'utilise pour elle. On est encore en train de voir ce qui lui convient le mieux. Et je vais aussi essayer de répondre à d'autres questions que vous m'avez envoyées à la fin de cette vidéo. Franchement, je trouve que c'est trop bien d'inclure des questions-réponses. Donc j'espère que ça vous plaît. J'ai pas eu trop de retours, donc dites-moi si ça vous plaît. Et n'hésitez pas à me poser des questions, à me les envoyer soit sur Instagram, soit vous pouvez les poster en commentaire ici. Mais c'est vrai que comme j'ai tendance à pouvoir répondre en commentaire aux questions, bah je réponds directement. Mais si c'est une question où vous voulez que je vous montre quelque chose, d'ailleurs n'hésitez pas à le dire, que c'est pour un vlog, vous voulez que je vous montre. Comme ça, je vous réponds pas en commentaire, mais je vous montrerai dans une autre vidéo. Dites-moi juste que c'est pour la section questions-réponses. J'ai juste fait mon maquillage habituel. J'ai rien fait d'extra aujourd'hui, mais vous pouvez quand même voir le rendu. Là, ça va faire presque une semaine que j'ai lavé mes cheveux et fait mes soins. Donc les boucles sont un peu moins définies, mais mes cheveux sont quand même toujours bien hydratés. En plus, il fait beau aujourd'hui. Je ne sais pas s'il fait vraiment humide. Bon, sûrement un petit peu, mais ça devrait aller. Donc je vais essayer de garder mes cheveux détachés. Je vais quand même prendre un petit élastique au cas où si je veux les attacher. Alors, je t'appelle cet élastique-là plutôt. Invisible Bubble, un peu un simili-cuir, c'est assez marrant. Et j'aimerais bien là en fait faire une petite balade, comme il fait beau, avec la petite. Donc comme elle a eu ses premiers vaccins, on s'autorise un peu plus à la sortir
pas juste à l'extérieur, parce qu'on faisait que des balades uniquement en extérieur pour l'instant avec elle. Mais là, je pense que je vais aller à la poste, à la pharmacie. Ce sera très bien, très rapide, très court, mais ça lui permet quand même d'avoir un petit contact avec un environnement différent. Et puis, comme je vous disais, à chaque fois qu'on se balade avec elle, que ce soit en porte-bébé ou avec la poussette, elle est vraiment dans l'observation, elle aime bien. Donc, je pense qu'elle va être contente de prendre l'air, de sortir. Et voilà, et puis ça fait du plaisir de voir du soleil. Donc, je vais essayer de me dépêcher avant qu'il fasse nuit. Faut juste que je lave les biberons avant de partir. Et voilà, après, je vais l'installer en porte-bébé et on va sortir comme ça. Let's go! Maintenant, elle se réveille. J'espérais avoir le temps de faire les biberons pendant qu'elle dormait. Mais non. Chaque fois que je détache mes cheveux, elle redécouvre ma tête. T'aimes bien? Ok, tu me regardes laver les biberons? On fait ça? On va faire ça, hein? Y a pas le choix. Aujourd'hui, je vais mettre ce porte-bébé de la marque Nagel, noir. Super simple et super pratique à enfiler et qui maintient bien le bébé et tout, donc j'aime bien en sortir. Et David peut aussi mettre celui-là. Il est suffisamment ajustable et grand. Parfois, il faut un petit temps d'adaptation par rapport au porte-bébé. Tu vois, on est toutes les deux. On a un porte-bébé. On va pouvoir sortir. T'es d'accord? On sort un petit peu. D'ailleurs, apparemment, il y a plein de gens qui abandonnent le fait d'utiliser des porte-bébés parce que les bébés réagissent pas forcément toujours très bien dès le début. Dès la première fois qu'ils testent. En fait, parfois, il faut juste un petit temps d'adaptation, quoi. Je vais quand même te mettre un petit bonnet. Elle est vite très chaud. Donc, faut pas trop tard à sortir. Oui, mais c'est ça. Et j'ai cette doudoune de portage que j'ai trouvée sur H&M. Elle est très pratique. Je laisse un peu en trouver ici pour qu'elle voit ce qui se passe autour, mais elle est vraiment pratique. On va emmener le bébé comme ça. Et j'ai remarqué que l'idéal c'est d'avoir un petit sac à main à emmener pour pouvoir mettre au poignet. Et bon, si on veut mettre un sac plus grand à l'épaule, je vais prendre quand même un sac plus grand. Voilà. On va mettre ça à l'épaule comme ça va. C'est un peu gérable, mais c'est vrai que le plus simple, c'est d'avoir au niveau du coude son sac en porte-bébé, je trouve. Ou alors d'avoir un sac à dos. C'est vrai que j'ai pas trop testé le sac à dos. On y va? J'hésite à prendre un biberon. Ok, je pense que c'est très bien. J'aurais dû préparer. Hein. De toute façon, je vais pas loin, donc au pire, s'il y a quoi que ce soit, je reviens très vite. Elle était très curieuse de la regarder un petit peu partout et puis là elle vient de s'endormir. En vrai j'aimerais bien sortir me prendre un petit latte, nice latte, un truc un peu frais. J'hésite, j'en ai envie parce que je me dis elle dort, c'est l'occasion. On essaye. En même temps je pense pas sortir tous les jours. Très souvent, donc je me dis, je vais peut-être le tenter. Je vais peut-être le tenter maintenant. Let's go.
Bon, c'est assez très bien passé. Elle est pas en train de dormir. Elle a juste ouvert les yeux tout à l'heure quand je suis repartie. En plus, il est pratique ce porte-bébé parce qu'on peut retirer, ouvrir comme ça. C'est super simple pour sortir le bébé. J'avoue, j'ai eu chaud quand même parce que il faisait plutôt bon aujourd'hui, ce qui est assez étonnant parce qu'il faisait vraiment froid les autres jours. Pour le moment, je le range toujours à chaque fois dans sa boîte après. Et j'ai trop hâte qu'on puisse la mettre au dos, mais surtout qu'elle puisse être face comme ça elle pourra tout regarder plus facilement parce qu'elle aime trop regarder ce qui se passe autour. Hein, bébé? Tu souris, t'as bien aimé la baleine? T'as les joues toutes roses. Ah mon petit bout. T'as bien ça. Oui, c'est ça, exactement. Arrête. Je plaisante pas. Tu m'expliqueras c'est quoi ce jeu. Elle a 2 mois et demi et les vêtements 3 mois sont vraiment juste là. Hop là. Mon petit cœur. Bon, c'est le moment biberon là. Un instant à l'autre, ça peut basculer en pleurs ou en hurlement. On va dire en cri. Pourtant, on essaie quand même de la faire patienter pour espacer un peu les biberons, mais c'est vraiment pas évident. Bien, on va faire le rot. Bon là mes cheveux sont bien shrinkés, mais j'ai une belle définition. Parce qu'ils sont pas totalement secs, en fait ils étaient encore un petit peu humides. Et en plus je les ai pas étendus avec des élastiques, ce que je fais généralement. Mais c'est quand même joli. T'en penses quoi? C'est joli? Et souris. Ok bébé, alors... Je vais répondre maintenant à quelques questions qu'on m'a envoyées sur Instagram. Coucou Ursula, des idées de magasin de vêtements de bébé. Alors, en plus, il y a des travaux dehors, donc c'est merveilleux dans cette vidéo. Ouais, t'es d'accord. Ok, bon, déjà, j'espère que vous m'entendrez bien. En tout cas, j'ai mis un petit micro pour améliorer le son. Donc, des idées de magasin de vêtements. Oui, t'en as, toi, des idées? Je sais pas si vous l'entendez. Honnêtement, j'avoue que je trouve vraiment plein de choses super sympas sur H&M. H&M enfant, je trouve qu'il y a vraiment des trucs hyper mignons. Je sais pas, c'est très pratique aussi. Parce que j'ai l'habitude, je connais déjà l'application, il y a des boutiques aussi. Même si j'achète principalement sur Internet en ce moment. Zara Kids aussi, il y a pas mal de petits trucs hyper mignons, hyper sympas. Et après, il y a d'autres boutiques sur Internet. Et aussi en magasin, mais généralement j'aime bien aller sur Verbaudet aussi, je trouve qu'il y a vraiment plein de choix et puis il y a plein de marques différentes, donc c'est assez facile de trouver un peu ce qu'on veut, en tout cas les types d'articles qu'on recherche, et il n'y a pas que des vêtements. Il y a la collection aussi bébé de Monoprix qui est bien. Il y a aussi Natalis avec des vêtements aussi hyper jolis. Il y a Sergent Major. J'ai pas été trop voir, mais sur Kiabi, je crois qu'il y a des choses super sympas. En tout cas, j'en ai entendu parler de leur collection. Il y a Okaidi aussi, où il y a des magasins aussi, on peut retrouver en boutique.
tartiner chocolat, voilà. Enfin, franchement, il y a vraiment plein de boutiques pour petits. Jacadi. Après, tout dépend bien sûr de votre budget et du type de pièce que vous recherchez. Mais après, voilà, mes go-to, c'est pas forcément des boutiques pour bébés. En tout cas, pas dédiées, j'avoue, parce que ça permet aussi, même si je veux acheter autre chose en même temps, bah, de le faire. Mais n'hésitez pas à me dire, vous, si vous connaissez des marques, des vêtements de bébés, des magasins pour bébés, notamment en ligne, que vous aimez beaucoup, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça me permettra aussi de découvrir, parce qu'en vrai, j'ai pas forcément pris le temps de faire beaucoup de recherches, donc n'hésitez pas à me dire si vous, vous en connaissez, ou que vous m'en recommanderiez. Oh non ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, bébé ? Est-ce que tu travailles en ce moment ? Alors, en ce moment, oui, enfin là, j'ai repris le travail, officiellement, hein, bébé, mais j'ai décidé de travailler à mi-temps, donc... Voilà, comme ça, j'ai quand même du temps pour travailler, pour être avec elle, pour m'occuper un peu d'elle. Et j'ai aussi un peu de temps pour travailler et essayer de refilmer, aussi travailler sur différents projets. Ma boutique Etsy aussi est de nouveau en ligne. Donc, s'il y a des créations que j'ai faites par le passé qui vous intéressent, n'hésitez pas à les regarder. N'hésitez pas à poser des questions aussi, à m'envoyer un message privé sur mon compte Instagram Ursula Naturelle, donc de ma boutique. N'hésitez pas à ce moment-là à voir s'il y a des pièces peut-être que j'ai pas remis sur ma boutique mais que j'ai peut-être encore dispo. Voilà, n'hésitez pas à me dire et à me contacter en tout cas par rapport à ça. Et puis j'aimerais bien du coup me remettre à peindre prochainement. Il faut que je m'organise mais j'aimerais bien. Et puis voilà. Puis j'ai d'autres projets en cours donc oui, je suis contente de retravailler même si j'ai aussi envie de passer un peu de temps avec elle, donc on fait un peu des deux. Tes premières sensations, vision des choses en tant que maman? Alors, j'ai déjà un peu répondu à cette question, mais c'était il y a 2 mois. Donc peut-être ça a changé. Je veux dire, c'est hyper mignon. Mais en fait, c'est vrai qu'un petit bébé, c'est quand même beaucoup trop joli. Et que quand ça nous sourit, que ça fait des petits gazouillis, des petits arreux, des... Bon, c'est trop choupi de pouvoir interagir. Oh bébé, on veut cela encore. Elle me fait... Ah oui, qu'est-ce que tu veux dire? C'est vrai que c'est gratifiant. Oui. Et c'est tellement adorable à voir évoluer. Et puis on voit aussi les choses qu'elle n'arrivait pas à faire avant, qu'elle fait maintenant, etc. Et c'est vraiment que le début. Oui. Donc c'est hyper intéressant en termes de... Voir son petit bébé évoluer, c'est vraiment gratifiant et... Ça fait chaud au cœur et puis il y a des moments où elle me regarde en mode « Je t'aime maman » et en faisant un petit « Arreux », enfin, c'est vraiment trop chou. Donc ça fait énormément plaisir. Oui. Oui, tu veux venir? Ok. Tu veux venir avec moi? Tu restes avec nous? Avec nous, j'ai l'impression que vous êtes avec moi. Je te mets un peu sur le côté. Après, comme je le disais dans l'autre vidéo, c'est vrai que c'est prenant et c'est pas facile en fait. De pouvoir tout faire, ça donne une priorité. Donc, en fait, c'est difficile de jongler entre tout ce qu'on veut faire. Mais bon, ça demande de l'organisation, parfois de la préparation. Vraiment, notre quotidien change et notre vie change un peu quand même. Hein. Beaucoup, même, j'ai envie de dire. Et même si on a envie de garder le plus possible sa vie d'avant comme elle était, c'est pas vraiment possible en fait, c'est très compliqué. Et je pense qu'après, avec le temps, ça reviendra. Il y a des choses qu'on peut toujours pas faire pour l'instant, qu'on refera bientôt. D'ailleurs, j'ai fait sa demande de pièce d'identité, donc de carte d'identité et de passeport. Donc voilà, j'espère qu'on pourra revoyager vraiment bientôt. Et on a l'impression de faire à la fois beaucoup de choses et très peu de choses. Et il y a beaucoup de choses assez répétitives aussi, donc... on essaie de faire au mieux, mais on a l'impression que c'est jamais assez. Il y a David, donc mon mari, qui m'a mis dans les questions. Quelle préparation mentale pour le prochain vaccin du petit bout? On sait, hein, c'est pas forcément trop une préparation mentale, c'est vraiment une préparation physique cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on va lui mettre un patch anti-douleur. On va lui donner aussi du Doliprane 1 heure avant. C'est une personne sur Instagram d'ailleurs qui m'a recommandé cette astuce. Les patchs, d'ailleurs, il faut qu'on en mette un de chaque côté. Je suis en train de me dire parce qu'il y a 2 vaccins la semaine prochaine. Oui. Non, mais t'inquiète pas, ça va aller. Quoi d'autre?
Ouais, non, ça va être une préparation physique en fait, plus qu'autre chose. Et puis j'espère qu'on essaiera de l'apaiser, on essaiera d'être encore plus réactif dans l'apaisement juste après, tout ça. Hein, bébé, mets ton bras là quand même. Puis c'est rapide, et après, franchement, t'étais en forme. Hein. T'étais au top après, t'as bien géré. Puis t'as fait un énorme dodo après. Next! comment te sens-tu avec ta nouvelle casquette de mère? Il y a des moments où j'ai pas l'impression de l'être, et d'autres moments où je sais que je le suis. Elle me le rappelle. C'est encore une phase un peu d'adaptation parce que je réalise pas totalement en fait que c'est mon bébé, même si j'en réalise plus parce que bah là, si on me l'avait confié, ça fait quand même un moment que les parents ont dû le récupérer. Non, je plaisante, mais c'était ce que je vous disais dans la première vidéo. Enfin, du postpartum, c'est qu'en fait, j'avais vraiment l'impression que c'était un bébé qu'on m'avait confié. Mais là, ouais, je me rends bien compte, hein, je réalise de plus en plus que c'est le mien. Et puis, elle est tellement mignonne, tellement jolie et tellement forte. Elle fait tellement de trucs déjà. Elle est exceptionnelle que je suis trop contente, en fait, que ce soit mon bébé et pas celui de quelqu'un d'autre. Mais ouais, bah, je m'adapte petit à petit, mais je réalise pas encore totalement, je dirais, que je suis maman. Et c'est pas forcément je sais pas, un réflexe. Je pense que si dans une conversation, je pense que c'est pas le premier truc dont je vais parler, en fait, peut-être. Et j'ose pas, en fait, parfois aussi dire que j'ai mon petit bébé. Je sais pas, franchement, comment dire, mais il y a des moments, j'ai l'impression que c'est un peu, pas se vanter, mais c'est rajouter une info qui est peut-être pas indispensable dans une conversation. Je sais pas comment expliquer, mais. Voilà, je suis encore dans un peu un entre-deux, je pense. Comment se passe la nouvelle dynamique de votre couple? Pour l'instant, bah, c'est vrai que c'est pas évident de se retrouver en tant que couple et d'avoir du temps pour nous, en fait. Honnêtement, passer du temps à deux, c'est vraiment très limité maintenant. Et d'ailleurs, c'était un des trucs qui me stressait le plus dans le fait d'avoir un bébé. En fait, je sais que j'avais vraiment peur qu'on perde nos moments à nous deux. Et je me demandais vraiment comment on allait faire pour récupérer ces moments à deux, en fait, et s'organiser. Donc pour l'instant, c'est vraiment pas souvent le cas. On y arrive un peu quand elle dort. Il y a des moments où elle est calme, donc on arrive un peu à se centrer sur nous deux. Ou alors, voilà, si on peut la faire garder quelques heures, c'est top. mais c'est pas encore vraiment une régularité. Et voilà, c'est compliqué, je trouve, de retrouver une dynamique amoureuse, on va dire, de couple. Après, par contre, notre dynamique, c'est qu'on essaie de s'entraider au maximum, de s'alterner au maximum et d'essayer de s'organiser au mieux, en fait, pour que au moins l'un de nous deux puisse toujours voilà, être là pour elle. Et puis, si on peut être là, tous ensemble, tous les trois, c'est encore mieux. Un bébé, faire des trucs tous les trois, c'est encore plus sympa. Ouais, on est plus une team là qui essaie de survivre et surtout de faire pousser ce petit bébé au mieux, faire grandir ce petit bébé et lui donner le max en fait. Que ce soit d'amour, d'attention, de choses dont elle a besoin en fait. Comment décrirais-tu le post-accouchement? Êtes-vous fatigué? Oui, la fatigue, c'est la base, j'ai envie de dire. Maintenant, comme elle dort plus longtemps, elle fait des nuits. Elle fait ses nuits en vrai. J'allais dire, elle fait des nuits de 8 heures. C'est des nuits. 8, 9, parfois 10. Donc, franchement, c'est des vraies nuits. Hein. On arrive à plus dormir et plus se reposer. Donc, là, par exemple, aujourd'hui, franchement, je me sens pas trop fatiguée. Je sais que ce soir, je serai fatiguée. Il y a des moments, j'ai des petits coups de fatigue. Mais, heureux. Donc, global, franchement, ça va beaucoup mieux. En termes de fatigue, mais on est quand même plus fatigué parce qu'en fait, on fait plus de choses. En fait, s'occuper de la petite, c'est du taf aussi, quoi. Donc forcément, ça fatigue. Et puis, on a plus de tâches aussi domestiques à faire, plus de tout, en fait, à faire. Et on se repose moins bien. On n'a pas des sommeils ultra profonds, je dirais. C'est toujours un peu sous alerte. Et pareil aussi, quand on est avec elle. Dans l'appart, en fait, ou même à l'extérieur, on est toujours un peu alerte de faire en sorte de la surveiller un petit peu. Et encore, c'est pas encore un petit bébé qui va crapahuter, qui va marcher. Là, je pense que c'est encore pire. À mon avis, on est encore plus sous alerte.
Mais déjà, franchement, ouais, on essaye. Enfin, ça fatigue aussi en plus. Penser à tout prévoir. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'essaie de faire quand même des petites sessions questions-réponses, pas trop longues, parce que je veux pas non plus que les vlogs soient trop longs. Et puis en plus, c'est bien, je me dis, de pas tout. De répondre à toutes les questions d'un coup, sinon après, ça laisse quoi comme question pour la suite? Je ne sais pas. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce vlog. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, likez, abonnez-vous. N'hésitez pas non plus à activer les notifications pour être prévenu quand je poste des vidéos, parce que je sais que c'est pas évident parfois de voir les vidéos qu'on a envie de voir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications, et puis à me suivre même sur Instagram, parce que je vous préviens aussi sur Instagram quand je poste des nouveaux vlogs, donc comme ça vous êtes aussi prévenus. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, à me laisser vos petits commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire, d'échanger, et merci beaucoup pour votre soutien. Et je vous dis à très vite. Bisous.